Et les joueurs écossais avaient lu qu'il allait faire un petit coup de pied par-dessus. Attention, ce ballon là-bas, jusqu'à l'aile. Ouais, l'accélération de Hugh avec la passe à l'intérieur et peut-être le premier essai, non ? Heureusement, il bon retour. Ouais, c'est bien construit de la part des Écossais. On voit, ça part de leurs 22 mètres. Le numéro 12 qui arrive à transmettre sur l'aile, qui a l'intervalle. Malheureusement, Léo Bastien n'a pas les cannes suffisantes pour le rattraper. Le 13 qui s'engouffre. Point de fixation. Un bon soutien de la part des Écossais. Et après, on va au large. Les Français sont concentrés. Et c'est quasiment imparable. Oui. Donc, voilà, belle construction de la part des Écossais. Dans ce match. Là, on voit les Écossais qui ont cette volonté de porter le ballon, de trouver des espaces sur les extérieurs. Et c'est encore le cas. Heureusement que la transmission est hasardeuse. Les Français récupèrent le ballon. Ballon ralenti. On va repasser par un jeu d'avant. Avec Tommy Springs qui libère pour Sinclair. Accélération. Oui, il y a l'intervalle. Oui, il a pris l'intervalle. Heureusement, il n'a pas pu assurer la passe à l'intérieur. C'est Baptiste Serin qui est venu. Et aller en touche avec ce ballon. Ah oui, à l'intérieur, sur la passe, il y avait un Écossais complètement démarqué. Sans le sauvetage de Serin, c'est... Ballon capté par Yacouba Camara. Et l'offensive derrière, Cyril Bay dans sa ligne de trois quarts. Le pilier fixe la défense écossaise. Le ballon mal libéré que n'a pu capter Domenech. Et aussitôt, il y a le feu dans les 22 mètres de l'équipe de France. Vipresh a été obligé de se coucher sur ce ballon. Bon retour Vipresh. Alors qu'on va revoir ce ballon mal libéré, mal contrôlé derrière le regroupement. Un Écossais qui tape arrive à taper dans le ballon. Et Vilprech qui... Ruffenac est venu les bloquer. Et on voit... On écarte cette fois avec Bennett. Il est très très bon ce joueur. Il est très très bon ce Rory Bennett, ou Marc Bennett plutôt. Il s'était encore fait la belle là au cœur de la défense française. Le jeu rebondit, passe dans le dos, Midilia. Bennett qui joue au pied pour lui-même. Attention, il accélère. C'est Domenech qui est en couverture. Ouais. On est dans le temps additionnel. C'est la balle de match pour les Écossais. S'ils veulent gagner, ils doivent aller marquer un essai. Attention au plaquage. Avec encore Bennett qui s'est fait la belle. Oh, le retour là. Le retour.